Yo, c'est Brother avec Psy 548, on est juste là, vite fait, je fais juste vite fait mon petit intro, on se retrouve à Genève. Donc comme je l'avais dit, là on est un peu dans la rue, il y a juste Psy qui s'écarte un peu pour pas qu'on a de l'interférence. Enfin bref, donc on est à Genève, on va, en fait il y a juste, là on est juste au Rhône, là il y a juste Psy, enfin bref, il y a juste le grand jet d'eau, je vous montrerai après. J'ai cherché un peu sur Wikipédia, j'ai trouvé quelques informations. Du coup je vais vous les dire tout de suite après. Et on se retrouve du coup tout de suite là-bas pour la suite du petit truc. Allez à toutes les potes. Yo les potes, c'est Brother, on se retrouve aujourd'hui pour le petit nouveau daily vlog. Il y a, si vous entendez un peu de son, il y a juste Psy qui est en train de monter sa petite vidéo derrière. Mais bon non, ça devrait pas trop gêner, baisse juste un peu le son, s'il te plaît, si bien en vrai. Donc en fait, aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve à Genève. Donc normalement, vous avez pu avoir un petit timelapse en début de petite vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé. Je pense que ça va être avec le jet d'eau. Donc j'ai pris quelques petites notes de Wikipédia, je vais un peu vous raconter vite fait. Alors en fait, il y a Genève, bon je vais pas vous mettre une carte comme hier, hein, c'est à peu près dans le même coin. Et c'est situé à la sortie du Rhône. Et dans Genève il y a plus de 2000 habitants. Donc ça c'est intéressant. Et c'est la deuxième plus grande ville de Suisse. Et c'est une ville qui est très écologique. Alors je vais m'expliquer un peu. On était avec Psy, enfin on s'est promené hein, dans la ville et tout ça. Il y aura pas mal de plans dans cette vidéo hein, j'espère que vous allez l'aimer aussi. Et c'est vrai que partout il y avait du vert, etc. Enfin il y avait beaucoup d'arbres, il y avait beaucoup de verdure, etc. Donc c'est vraiment une ville qui est assez écologique en fait. Donc voilà, c'est intéressant à savoir les villes écologiques et tout ça. Parce que c'est vrai que c'est en train vraiment de se développer ces derniers temps. Il y a une très bonne qualité de vie également dans la ville de Genève. Donc les gens sont assez contents, ils sont contents d'habiter. Enfin il n'y a pas eu un sondage, mais bon la qualité de vie, on va dire le niveau de vie est assez entre guillemets élevé à Genève. Ensuite la ville c'est une superficie de 15,89 km², donc c'est assez grand. Je sais plus combien c'est Paris maintenant, mais je crois que Paris c'est plus quand même. Enfin bref, elle était vraiment impressionnante la ville. C'est une ville qui est divisée en quatre parties. Il y a les noms des quartiers que j'avais vu, mais je m'en rappelle plus du tout. Enfin bref, c'est divisé en quatre quartiers. Alors là, c'est vraiment le plus intéressant en fait. Le timelapse que je vous ai mis normalement en premier. Juste les de Psy. Enfin bref, le timelapse que je vous ai mis en premier, c'est pas grave. Que je vous ai mis en premier avec le jet. C'est super connu, c'est le truc. C'est même l'un des trucs qui est le plus connu à Genève. Et en fait, j'ai un peu cherché des informations. Et en fait, c'était à l'origine une soupape de surpression pour les machines de bijouterie en 1891 en 1891 on décida d'augmenter la hauteur et l'illuminer, et du coup là il va devenir le symbole de la ville que maintenant tout le monde connaît à peu près, parce que je veux dire c'est quand même assez connu. Enfin bref, je vous aurais mis quelques timelapses. Voilà, c'était un peu la petite introduction de la petite ville, pour un peu vous dire quelques informations sur la ville. Je pense que je vais faire ça à chaque fois, à chaque daily vlog. Et voilà, du coup on se retrouve pour la suite des plans. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer aussi ce petit vlog. Et je vous dis à toutes les potes. Yo les potes, c'est Brother, on se retrouve pour un petit plan, j'espère vraiment que vous allez tous très bien, pour passer ça tranquille. Alors en fait là je vous ai fait un petit timelapse normalement que je vous aurais mis tout de suite avant. Et en fait on est devant l'église Saint-Pierre. En fait c'est une église qui est protestante, et c'est, enfin c'est pas une église, c'est une cathédrale pardon, c'est la cathédrale protestante Saint-Pierre de Genève. Et l'église, enfin sur Wikipédia ils disent l'église principale de Genève. Et pendant euh,
pendant 1000 ans, c'était l'église cathédrale de l'archevêque de Genève, donc c'est quand même assez important. Et juste un petit dernier truc, je vous dis, en fait, en 2009, elle a été dans la liste d'honneur du patrimoine européen. Donc vraiment, c'est un truc vraiment assez important pour Genève. Et comme je vous l'ai dit, ben, c'est une des principales du truc de... enfin, c'est l'église cathédrale protestante principale de Genève. Donc c'est où tous les protestants, enfin, les protestants, ils viennent dans cette église. Donc voilà. Voilà, c'était juste un petit plan pour vous dire les histoires. En fait, je pense que je vais faire un peu ça dans les lieux différents. Vous dire, parce que là, comme on est en Suisse et on a du forfait, du coup on lit juste vite fait le texte, comme ça on a un peu les dates au moins et tout ça, tu vois. Enfin, c'est plutôt assez intéressant, comme ça vous apprenez aussi un peu quelque chose. Un peu de culture. On se retrouve tout de suite après, je sais pas du tout ce que je vais encore filmer. Voilà, on se retrouve après, je vous dis à toutes les potes. C'est Brother, on se retrouve du coup pour la dernière partie de mon petit daily vlog qui était à Genève. Donc j'espère vraiment que vous avez kiffé. Il y a eu des petits plans de drone, il y a eu pas mal de timelapse, enfin il y a vraiment eu plein de plans. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire si vous kiffez aussi ce genre de musique, parce qu'en fait je change un peu, parce que souvent j'étais sur du NCS et là je suis sur un peu plus du SoundCloud. Enfin bref, pour ceux qui veulent un peu savoir d'où je prends mes musiques, je vous les mettrai tout simplement. Enfin, vous mettez un commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Je filme aussi avec mon SE, donc pas avec mon Canon. Donc la qualité là, je pense, elle est un peu meilleure que la dernière fois. Voilà, bref. Du coup, demain, je ne sais pas encore du tout trop ce qu'on fait. Cette vidéo, elle va être upload à 10h30. Ouais, 10h, vers 10h30, comme ça. Je teste aussi un truc, mais bon, je ne sais pas si je vais le mettre peut-être dans ce vlog. Je suis en train de faire une petite utro, comme c'est X548, il a fait. Voilà, pour ceux qui connaissent pas trop sa chaîne, elle sera en description. Merci. Enfin bref. Comme je l'ai dit, je sais pas du tout si elle sera dans cette vidéo. Dans la prochaine, sûre, elle sera. Peut-être que je vais l'upload. Enfin bref, je sais vraiment pas. Et voilà, on se retrouve du coup la prochaine fois. Demain pour un petit daily vlog. Et voilà, moi je vous remercie tous pour ceux qui ont regardé ce petit vlog à Genève. Et voilà, à toutes les potes.